Moutoumou Azali na danger de mort. Martin Fayou Azali devant les dangers de mort. Félix Tshisekedi. Azouaki na poche nae. Jean-Pierre Bemba. Azouaki Kissa. Moïse Katumbi. Azouaki na Nesusu. Je pense que ce sont les grands cadors. Kamere n'en parlant pas. Na Nesusu. Bangouin surtout. Kabila a déjà expérimenté qui est déjà donc il ne pèse plus. Actuellement, au niveau de l'opinion, ça reste Martin Fayou. Et par rapport, il sera rejeté. Qu'est-ce qui va devenir dans l'opinion? Mesdames et messieurs, très honoré de vous savoir encore une fois branché sur votre vecteur communicationnel. Je cite comme ça www.puisquartelevision. Encore une fois, je vous dis personnellement merci pour cette confiance renouvelée encore une fois à travers bien sûr votre chaîne et qui vous informe en temps réel à travers bien sûr les différents sujets qui font parler ici en République démocratique du Congo où vous soyez. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Je suis là pour essayer d'analyser au sujet politique bien sûr. Qui cloche hein, à l'horizon après avoir bien sûr effectué quelques enquêtes. J'y reviens pour vous annoncer ou soit vous faire former et informer auprès des différents éléments comme ça recueillis au sein de votre rédaction de Puisquartelevision. Télévision. Ça cloche de partout, on va en parler dans cette émission. Avant de se faire, j'aimerais quand même rappeler cet article de notre constitution, bien sûr, la constitution congolaise, l'article 70. Dans son deuxième alinéa, on va parler tout au long de cette émission. Je pense que déjà, Bozo comprend déjà de quoi il s'agit. Dans cette analyse, je serai vraiment très focus à ce qui concerne Martin Fayoulou, son avenir politique. Et pourquoi pas, nous allons encore une fois définir les profils de Félix Tshisekedi Tshilombo. L'actuel qui est là, bien sûr, on sait la manière dont il s'est retrouvé à la tête de la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Bon, on fait avec. Togome Kampé Kolobela, par rapport à ces deux personnes, est-ce que... Toujours se diriger tout droit vers un dialogue. Est-ce que l'élection de 2023, elle a vraiment organisé? Est-ce que, je pense que les réponses vous seront données ici, dans l'émission Oyo, dans l'Olinga, tout définir qui est, bien sûr, Félix Tshisekedi, à travers un profil. On va faire une description personnelle, ce qui nous concerne. Tout Martela qui, tout Loba qui, Félix Tshisekedi, c'est un acteur politique. Alors, la façon. Il y a pour faire bien sûr, il y a pour ça là, ou peut-être battre une uraka, tout le bilango, tout bêta c'était parce que ma maison en 2023, il est grand temps tout le bilango, tout le bélité, battre nous sommes à la place d'un bisou, bah cause à la tête, surtout les Congolais conscients, bino bolingi kemboka, ils allaient un peu, et bien mal à passer, na boum, on est tombé en français, la sortie collective, il y a République démocratique du Congo, tout le la sortie collective, c'est à dire moutonnions surtout même un dernier peuple, même dans tout ça, ça la terre s'est retrouvée, na bien naturel, au wapi, République démocratique du Congo, tout ça y na mon fils, c'est que y a dans mon tiba sur demi mi-temps, c'est à dire il fait des choses, au wapi, bah dans le cola, à ça y na mauvaise position, à ça y na Paul Amabé, et par après, à comment l'avantage, vous avez connu avec cette histoire, il y a Alliance Salakina Kabila avec, bien sûr, FCC, Boebi Nengele Kaki, Boebi Alliance Salakina Cash, et par après, Boebi Nengele Kaki. Aujourd'hui, les gens pensent que l'élection que vous allez organiser dans un délai constitutionnel, soit en 2023, on en parle ici. Déjà, pour commencer, j'aimerais, Tolo Belango, Moutoumou Azali na danger des morts. Est-ce que ils ont eu un empoisonnement? Déjà pour citer comme ça, Martin Fayou le cordon au pire au Edenga. D'un côté vraiment, j'aimerais bien ils allaient soulever. Martin Fayou là d'aller devant les dangers des morts. Bon comprendre, il s'agit des quels dangers des morts? Dans le développement, il y a émission Nabisso. Aujourd'hui, tu réunis bah éléments et belé. Pour tout, on a déjà développement. Tu réunis bah éléments et belé. Ou à pesali copé sa biso ba forte indication pour comprendre que la 2023 élection aux alatés. Félix Tshisekedi qui partenaire à Joseph Kabila, apparemment, a zadé un pico calqué de trop tout ce que Joseph Kabila il a fait. Quand je dis tout ce qu'il a fait, parce que tout ce qu'il connaît déjà, Kabila faisait quoi? Abanaki ko débauché les gens, vous avez une opposition à Bendio. Déjà, dans 3 ans où il y a Félix Tshisekedi, on a trouvé cette pareille pratique. Où il y a qui va dans la gauche, il y a qui sont à droite, il s'agit de débauchage. Et on avance, on comprend la même chose. Félix Tshisekedi,
Exactement, moi, bah, modification, moi. En 2018, pour l'élection Salama, Kabila ne faisait quoi comme si l'élection que Salama ratée. On le savait. Et là, par la grande surprise, il a été bêlé, tout le monde a élection Salama. Il a fixé tout ça là. Adopé Sabiso et Lengiwana en 2023, on a eu des élections. Tout le monde a confession religieuse, il fallait que qu'il y ait déjà. Qu'on vote Moutoua dans la tête, il y a CENI, il y a l'animateur, on va composer bien sûr commission entre guillemets électorale. Entre guillemets, parce que les acquis sont censés être indépendants, on se pose la question, est-ce que notre commission électorale elle sera vraiment indépendante ou pas? Je pense que la réponse, vous voyez déjà, après trois législatures, aux alliés organisés, est-ce que les résultats, au peuple qui n'a qu'à comprendre, aux qui n'a qu'à voter, les alliés respectés, je pense que vous connaissez déjà, peut-être mieux que moi, les réponses, après l'injustice qu'a connue dans le passé Jean-Pierre Bemba, Félix, et pardon, Etienne Tshisekedi, et par après Martin Fayulu, tout le monde. Est-ce que dans 2023, élection Kozala, Félix Tshisekedi, il a tracé les tableaux politiques, il a repéré, dans sa vraiment à zo calqué, il repère là où Kabila faisait à gauche, il part à droite, tout le monde a qu'élection Kozala. Mais après, bah, élément toujours réuni pour comprendre en cas qu'on a développement, il y a Martin Fayulu a dit devant danger les morts. De quoi appuyer l'élément, de quoi réfléchir ensemble, comme on le dit toujours dans notre émission. L'émission continue, même après l'émission, à travers bien sûr bah, commentaire. Vous allez avoir un peu d'enropé sur la position de la Martin Fayulu est devant les dangers des morts, comme l'a dit. Azomi Boma, Kalakrote, danger des morts, il m'a remis Boma, Bako Bomae, et Routawa, puis toujours continue le développement. Quand je disais, Fetsike, il fait croire aux gens qui ont organisé l'élection en 2023, bah, confession religieuse, bah, c'est un qui peut pas. Pour nous monter la tête, il y a CENI, il y a quelques animateurs bien sûr à accompagner. Jusqu'à là, nous sommes tout évité, tout commis. Silence radio, le peuple, apparemment, le peuple est distrait. On ne sait pas comprendre qu'ils allaient manquer ma stratégie. Il y a blocage, ils allaient organiser malin, malin. Premier élément, j'ai parlé à l'élection, la confession religieuse. Jusqu'à là, tout évité. Est-ce que Kadima, le candidat qui fait parler beaucoup de gens, je ne mérite pas la côte en origine et tout ça, trubide. Là, ce n'est pas mon problème à moi. Je te dis que traiter ma fait, comme dit ton journalisme, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont personnels. C'est ce qu'ils sont en train de faire à travers ces genres journalistiques, les allées éditoriales. Là, tout ça, bah, commentaires, après avoir recueilli bah, éléments, surtout, tu es tout partagé, Nabino. J'avance. Deuxième élément, tout l'aide de la monkey, cette histoire profane, on peut parler à ces termes, de manière profane, histoire à congolité. Tout ça, l'enquête. On se rend compte qu'ils allaient boutiquer à l'interne par les membres de l'UDPS. Justement, c'était une question. Il y a coutier encore une fois crise politique. Il y a multiplié le blocage. Stinanini, blocage et ça, parce que, et même Abisso, il faut que vous connaissiez, lorsqu'il y a plusieurs blocages, 2021, comme vous poussez à la PMB, tu as une élection, élection exaltée, qu'est-ce qu'il faut de faire? Il faut te coûter. Peu importe la formulation, bah, au sala, au dialogue, au accord de Nini à Saint-Sylvestre. On est une table ronde, tout ça sera question bah, acteurs politiques, société civile, avec quelques jeunes, bah, puis ça va m'habiller, bah, koutani, bah, yokan, etc. On dit quoi, te constater, glissement, ok, qui est né 2023, tout ça, là, recensement, etc. Là, c'était mon deuxième élément. J'ai parlé, j'aimerais me faire rappeler et me répéter encore une fois. J'ai parlé, ma confession rédigée jusque-là, tu es habité, est-ce que élection et quoi, bouture. Si tous les Kabouétans, ils allaient coquiner, on avance, hein, on ne sait rien du tout. Or, il y a une loi organique, ils allaient voter dans l'Assemblée nationale. Ils allaient copier sa plein pouvoir, la président, ou bien la présidence, c'est l'Assemblée nationale. Ce qui, une confession religieuse, bah, qui copona, animateur, ou bien président, sénité, bah, qu'ils sa pouvoir, on a quatre l'Assemblée nationale. Ou puis, bah, on est bah, copona, moutou. Imaginez ça, c'est la troisième crise, troisième élément. Parlement qui est bien sûr, au début, majorité en haut, ils ont constaté, sans pourtant nommer informateur, formateur, etc. Et Banili, ils ont qui font la FCC. Donc, ça dit que Kabila, la FCC, ils ont ensemble un regroupement politique, ils ont plateforme électorale. C'est vrai que ce n'est pas reconnu au niveau de la loi, mais dans le cas de ils ont qui ça, bah, certains groupes politiques. Tu as dit que tu as reine où il y a Félix Tshisekedi. 2018, majorité parlementaire qui est dans le cas de Kabila. Ce qui dit de manière, je ne sais pas, bon, on comprend, ce sont des jurisprudences. On va dire qu'on crée plus tard, on va y revenir. Tant que tu as Félix Tshisekedi, tu as fait une boîte de Pandore.
Donc, autour ça, le seul problème était parce que comme déjà jurisprudence. D'une manière, le Salamaki, bah, renversé, Félix Tshisekedi maintenant là, il détient cette majorité parlementaire. Imaginez, là où les confessions religieuses, bah, sali, et bah, bah, religion surtout musulmane, aux catholiques, église des réveils, kimbanguiste, je ne sais pas si c'était qui, donc église protestante et tout ça, mais église surtout là où ils ont échoué, bah, on peut s'amener à cette possibilité. La présidence, il y a l'Assemblée nationale qui a voté. Imaginez, et vous avez la quatrième, ils ont la quantième crise. Je crois que c'est noté bien, ils ont la quatrième. J'ai parlé, il y a élection, où ils allaient un peu rater jusqu'à là parce que le consensus est athée. Deuxièmement, j'ai parlé, il y a la loi où il y a la congolité. Je vais y revenir rapidement pour comprendre avec vous. Ils allaient qui boutiquer. Parce que bah, il faut bah, créer, bah, multiplier justement la bah, crise. La bah, crise, on est comme ma, lobby ou plita, bah, zonga, bah, ça l'ensemble, peu importe la formulation, j'aimerais vraiment la préciser là-dessus. Parce que je sais, les Congolais, tout ça, maé, le mingé, mabé, surtout dans le terme. Bah, bah, non, oh, gauche et droite, ça reste justement rassemblement dans l'idée, il y a qu'au glisser. C'est ça que j'aimerais bien préciser ici. Peu importe la formulation, et vous allez rassemblement pour nous faire glisser. J'ai parlé. Il y a une élection ratée, il n'y a pas de confession religieuse. Il y a un deuxième élément. Il y a lu cette loi, il y a la congolité, j'aimerais me faire revenir. Il y a un verrouillage dans l'accès à poste à souveraineté. Troisièmement, j'ai parlé de la transition éco-risquée et salama après attentuer au salama dans le cadre de la confession religieuse. Il y a maintenant cette fois-ci la présidence de l'Assemblée nationale. Il y a sa président, il y a CNI. Imaginez quatre crises politiques. On a tous un amendement politique. Tout le monde a dit justice. On connaît avec ce qui se passe avec Jean-Pierre Bemba. Il a été comme ça condamné, il y a qu'au postulé, sur base d'interprétation, il y a condamnation, il y a subornation des témoins, c'est là qu'il n'a pas procédé à ces pays. Tout le monde a rattaqué l'élection, qu'au procédé à l'élection passée. Cette fois-ci, il est en train de négocier justement que candidature n'a ou bien éventuelle candidature, ce qui est l'élection, il y a eu dans l'année. Ils ont cette fois-ci acquisé, ils ont recevable cette fois-ci. Donc on parle, il y a justice maintenant. Jean-Pierre Bemba, il est derrière ses coups. Alors c'est un Félix. À revoir cette interprétation des lois. Deuxièmement, Vital Kamerhe, tout le monde politique, tu es aux adams au Tangi ensemble, ce sera cinquième, sixième élément. Sixième élément, tu as dit, comme il y a Vital Kamerhe, il est condamné. Peu importe ce que les gens disent, peu importe, il est condamné. Est-ce que lui aussi, il sera là pour la question, il n'y a qu'à négocier sa sortie. Les gens, Bakobo est sorti à Vital Kamerhe. Lorsque ça sera question, peut-être, de se retrouver ensemble pour nous cogiter, Kosola, peu importe la formulation, oh, non. Bon, ensemble, pour nous permettre d'accéder à un glissement, pour nous avoir un sixième élément. Maintenant, je vais citer là où je vais parler, il y a danger des morts, il y a Martin Fayoulou. Pourquoi? D'après nos enquêtes, la proposition qui a été faite dans le passé, il y a au Conseil national des réformes institutionnelles, qu'avait prôné depuis Martin Fayoulou, ou a passé un acquis qu'il faut passer la réforme institutionnelle, à certaines institutions clés, à armée, il faut passer la réforme générale parce qu'occupation Zali, à la Kimamouya, cour constitutionnelle, les juges ne sont pas du tout indépendants, à la Kimamouya, CNI, Otoza, Lelo, Oyo. D'après l'enquête, Balingi va payer gain des causes, voilà. Va payer Martin Fayoulou, coordination, ou alors c'est un acquis au Conseil national des réformes institutionnelles. C'est cet élément qui va encore une fois permettre tout le glissement. Je suis trop sûr de mes sources. Je n'aimerais pas n'abêter la tour parce que les éléments qu'on fait de telles analyses, ils auront des sens. Question sur la pression pour leur dire que voilà, là, nous sommes au courant, ma maison, les cas. Boké, baké, babou, ça, là, mon changement. Et ceux qui déjà ça, tableau, ils ont bien défini, pour qu'il y ait une obligation de continuer. Mais ceux qui vont dans le bureau politique, ils m'ont dit que non, il y a une pression, non, bah réveiller, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ça leur a fait moins semblable, bah changer, bah ambicar, bah qui, bah calquer, tout ça. Donc c'est ça les bureaux politiques. Tous ces gens, bah ça n'a oh IDPS, oh puis je crois la mon capé bah rosa dans le bureau politique, il va certaines récupérations, certains sujets politiques, bah va on va traiter, qu'est-ce que nous devons faire, bon, ensemble une révélation rapidement. Dans les passés, je pense que bah la mon capé va vouloir rater, c'était prévu. Les jours où Félix Tshisekedi, président de la République, à Sénaki était de siège. D'après mes sources, la Mouka, il fallait passer la marche pour soutenir justement l'armée Nabisso, pour combattre sujet surtout étranger. Mais il a fallu une personne
au nom de Nico Mayengele, je suis trop sûr de mes sources. Au Wapi, à Ebisaki Bango clair que dans notre constitution, nous avons dit chef, il y a armée, il y a soldat. Au Waza, premier citoyen, premier soldat, c'est Félix Tshisekedi. Dès lors qu'il reconnaît que Yemta Sali a décrété état de siège, et vous, vous voulez initier une marche pour la question de soutenir Basoda. Le but, c'était d'abord de soutenir Basoda. Mais dans ce moment, vous soutenez directement la personne de Félix Tshisekedi. Parce que Yemta a décrété. Yemta a dit chef armé, autorité de Soda, Liboso Yewana. Je pense que ça là qui est quand même ça là qui est basé. Je suis trop sûr de mes soucis. Natangi Bakombo. Je l'ai dit, Mouta Telemena qui a monté, Nandengete qui a imposé, mais qui a porté réflexion dans le lobby, c'était Nico Mayengele. Je pense que ce sont des partenaires. Tout le monde est au côté à question. Yaruzaba, information, tout ça, on a pour ça. Je vais continuer encore une fois, comme je disais. Au Conseil national réforme institution, il m'appelle Saint-Martin Fayeleux. Il y a un danger des morts. Danger des morts, et qu'on rattrape. Ou qu'on a les alliés pêche, bah d'autres. Cette fois-ci, ils ont la question, il y a qu'au moment, en plein naïe, Oura naïe, Constance naïe, parce que c'est ça le problème. Félix Tshisekedi, Alingi, Aoumela, Nakatia, République démocratique du Congo, ça la même, pourquoi pas plus que année, Oua, puis Kabila, ça la qui, Joseph Kabila, bien sûr, plus de 18 ans. Maintenant, il faudrait faire quoi? Il faut que Bouma, tu ne sois pas de s'opposer, Nanzela naïe. Jusque-là, Boutazali, Constance, Atsika, la direction naïe, c'est Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, Azwaki na poche naye, Jean-Pierre Bemba, Azwaki Kisa, Moïse Katumbi, Azwaki na nesusu. Je pense que ce sont les grands cadors. Kamere n'en parlant pas, na nesusu. Bangoué surtout. Kabila a déjà expérimenté, qui est déjà, donc il ne pèse plus. Actuellement, au niveau de l'opinion, ça reste Martin Fayulu. Et d'après mes sources, l'idée, après justement glissement, ils ont constaté, Kovanda, ok, nous sommes très d'accord que. Bah, certaines institutions, elles ont une étude. Il faut tout ça, la réforme institutionnelle. Bah, Sango, Martin Fayulu, il pourrait accepter, sauf peut-être à l'année d'analyse, il pourrait accepter dans les buts, il y a organisé l'élection à Malam, c'est-à-dire, quand il y a ce que, bah, l'on a mouké, bah, politique, bah, côté sur la même sénité, bah, revoir, bah, il y a, bah, juge, il y a cour constitutionnelle, bah, revoir, bah, il y a armée et tout ça. Et par après, Félix Tshisekedi va jouer dans ce jeu parce qu'il détient toujours la majorité parlementaire. Nasuka a respecté l'accord parce qu'il ne s'est pas déjà respecté. L'accord, j'aimerais me faire rappeler encore une fois. Vous l'avez connu? Accord à Nairobi, signé avec Vital Kamerhe. Accord à Sénat FCC. Bien qu'on dise c'est un accord diabolique, il ne s'est pas respecté, justement, le texte, l'accord et tout ça. Donc, en avançant, Martin Fayulu sera déjà salué au niveau d'opinion parce que beaucoup de gens ne veulent pas le rapprochement de la Félix Tshisekedi. Tout le monde dit ça. Il veut qu'il sorte la République démocratique du Congo. Il veut que Mamou occupation ici là. Il veut que Mamou qui est soldat étranger tout ça rapprochement fait ce qui reconnaît justement l'acteur politique rwandais, ougandais. Certaines décisions aux amnènes sont étouffées. Maintenant Martin Fayulu acceptant il y a qu'on soit direction il y a au Conseil national réforme il y a institution, il sera piégé de ses sens et par rapport il sera rejeté. Qu'est-ce qui va devenir dans l'opinion? C'est ça, nous voudrons dire que Martin Fayulu a dit devant danger des morts, ils ont dit empoisonné, ils ont dit danger des morts politiques. Il sera tué au niveau de l'opinion. Ça sera notre conclusion. Nous chitons déjà. Comme on l'a dit dans les débuts, Martin Fayulu, il est devant les dangers des morts, dans les buts peut-être de vouloir satisfaire les Congolais que nous sommes. Il y a aussi la réforme institutionnelle. Dans les buts, il y a Roloka peut-être qu'on soit pouvoir. Parce que c'est normal, hein, étant que Azali président, il y a un parti politique. Bitigno, surtout, il y a un parti politique et dans la conquête, il y a pouvoir. Donc, ça, les problèmes. Mais Bissopé, en tant que citoyen congolais, tant que nous savons la pratique, vous êtes dans la République démocratique du Congo, vous avez très d'accord à la montée, on les a positionnés à Bissopé. Donc, comprenez, vous avez une contradiction, il y a une idée. Sans pourtant, il y a un fingana, c'est ce que nous voulons pour ces pays. Tout le monde, payer à la bouée. Lorsque tu parles de A, sans pourtant fingana, on a disait au lobby, tu n'es pas d'accord avec X, tu l'as dit. Pour faire valoir, bien sûr, argument. Qu'on a dit, non. Oh, Yosabe, non. Oh, ben non. Argument, on a X, tu as déjà dit, il faut X. Je pense que c'est ça. Déjà, pour chiter, j'aimerais me faire rappeler, justement, notre analyse, c'était question de redéfinir d'abord
Félix Tshisekedi. Comme je l'ai dit au début, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un où il y a un zoba politiquement. Et il a cessé d'aller au bêta. On a les gens qui ignoré. Et lui, il est fait. Il a fait avec FCC de Kabila. Il a fait avec récemment na Kamere. Kamere pensait vraiment qu'il y a un Azali plus intelligent que lui et tout ça. L'intelligence qu'on parle ici, ce n'est pas l'intelligence dans la classe. Voilà, c'est un autre débat. Les intelligences, il y a politique. Et quand tu en as été, mais là, tout un bureau. Quand l'émission, tu as élément, tous les acteurs politiques, dans le bureau, dans le politique, il y a un dictateur. Tu as déjà fait ce que le bureau n'est pas banane. On connaît. Ce sont des conseillers. Donc, quand je disais, je ne m'aimais pas le bâtiment, mais il y a un non, non. Intelligence, tu as intelligence, il y a la cité. Il y a autant l'université, peut-être le roi Bissona, Bissona, la chanson. Non, non, nous ne sommes pas. Toujours avec intelligence politique vis-à-vis, il y a port, partenaire, conseiller, Zalara, bureau politique, conseiller spécieux, puis Bazan a raté, justement, Nabis Nabango profil, tu définis Félix Tshisekedi, Azali demi, demi, somito. C'est-à-dire, il s'est fait voir qu'Azali Zoba, Azali demi, Azali Zoba, il sait ce qu'il fait. Même actuellement, Azali, qu'au calqué stratégie à Joseph Kabila. Kabila, à un moment donné, nous, je pense que tout ça, même ma vie, tout le monde a réalisé organisément raté la République démocratique du Congo. C'est pareil avec Félix Tshisekedi. Il y a ce qu'il a changé car a donné, a triché quand même l'autre. Il y a ce qu'il a accepté sur l'élection qu'on a en 2023. L'élection de 2023, prétend qu'il veut l'élection de 2023. Qu'est-ce qu'il va faire? A Kokende Kousani Sabango, a passé au Conseil national des réformes institutionnelles de Martin Fayulu. C'est là où tu chites, tu vois que Martin Fayulu allait devant danger, des morts. Et voilà. Et ça chute, il y a plateau, il y a analyse d'Abisso, ceux qui vous a dit d'accord, vous passez merci. Il y a cette grande équipe technique où il accompagne Arabisso toujours. Là, je vois derrière la caméra, je suis avec Aning Saramoutou, il va voir comme on est. Je vais aller go. Et puis, dans la coordination, assistance, il y a Popol Ayombe, Joël Combe et tout le monde. Gastumba, c'est ça, la grande équipe, etc. Voilà, je vous dis merci pour la confiance. Ceux qui se plaignent une émission, vous pouvez merci, la grande équipe. Ceux qui y a des choses à dire, et là, on s'est complété, parce que tout ça, parfait. Tous les arabes, les matos, mais qui m'a dit que nous sommes libres ensemble, nous allons réfléchir. L'émission, surtout, moi j'aime bien les livres, l'émission continue. Il y a commentaires, vous pouvez réfléchir. Vous avez déjà nos numéros, voilà, c'est ça la conclusion. Merci beaucoup. Je vous dis bye.